êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui, hein, en tout cas, d'aller encore hein, au Cameroun. Hein. Vous savez que là-bas, depuis le 16 janvier 2021, se joue le championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Hein. Et la République démocratique du Congo, notre pays, participe bien entendu à cette compétition. Et puisque nous étions qualifiés et nous avons déjà joué notre premier match, hein, c'était le 17 janvier 2021 dans le cadre de ce CHAN. Hein, le derby du fleuve a été en tout cas remporté par la République démocratique du Congo grâce à Chico Ushindi, l'ailier du tout-puissant Mazembe Anglebert. Hein, mais le Congo Brazza n'avait pas démérité. Hein, belle prestation de l'équipe brazzavilloise, mais la République démocratique du Congo a été beaucoup plus réaliste dans un match en tout cas très très fermé où les deux équipes restaient en tout cas très très prudentes. Hein, mais la République démocratique du Congo a su concrétiser une de ses meilleures occasions hein, qu'elle avait eues au travers cet ailier Chico Ushindi. Vous le savez, la RDC qui participe pour la cinquième fois dans ce championnat d'Afrique des Nations reste en tout cas le seul pays de l'Afrique sud-saharienne hein, à avoir remporté cette compétition. Hein. Les trois autres compétitions étaient remportées par trois pays du Maghreb, la Tunisie, la Libye ainsi que le Maroc. La RDC a remporté deux compétitions. Nous espérons que pour cette fois-ci, la République démocratique du Congo pourra remporter également ce CHAN. Hein. Ça nous permettra en tout cas de garder définitivement ce trophée. Est-ce que le Cameroun pourra être une terre chanceuse pour nous, possible. Hein. En tout cas, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le premier sportif de la République démocratique du Congo et qui aurait joué aussi au football. Hein. Il était plutôt gardien de but. Et tenez, et quel nom on l'appelait lorsqu'il jouait au football hein. Eugène Kabongo, l'ancien international congolais, l'avant-centre de la République démocratique du Congo, qui a fait le bonheur également de plusieurs équipes en Europe, notamment l'Olympique Lyonnais, hein, l'Olympique Lyonnais qui avait trimé en division inférieure en France et que c'est grâce à Eugène Kabongongoy que l'Olympique Lyonnais a retrouvé justement la Ligue 1 hein, jusqu'à à ce jour et l'Olympique Lyonnais est actuellement parmi les leaders du championnat français de première division. Eugène Kabongo, je disais, nous fait donc la révélation hein, sur le nom, le surnom qu'on appelait le président, le chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous tenez, c'est en rapport en tout cas avec le Cameroun. Hein. On appelait Félix Tshisekedi au nom d'un ancien, en tout cas international camerounais, gardien de but camerounais. Je vous laisse deviner le temps d'écouter Eugène Kabongo nous faire cette révélation. Je rappelle hein, que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer également la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci de suivre cet extrait. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Le premier supporter de Léopard de la RDC, Félix Tshilombo, doit être très très content, comme l'ensemble des Congolais. Il a encouragé ces jeunes Léopards, il a donné un message en disant que Bokena Bitumba, il faut Bozong à la victoire. Déjà, c'est un bon signe. Le président a toujours appuyé et notre équipe nationale, il faut le dire. Donc demain, oui, je peux vous compléter, si vous voulez, oui. Puisque vous avez fait allusion au chef de l'État. Oui. Ça, le hasard n'existe pas parce que peut-être que beaucoup ne connaissent pas son passé. Nous savons tous que le chef de l'État aime beaucoup le football. Ouais. Mais ce que je voudrais bien signaler, le hasard n'existe pas parce que le chef de l'État a été gardien de but et il avait son sobriquet. C'est lequel? Thomas Kono. Voilà, ah. Le Cameroun. Je me suis toujours dit, où les jours où on va discuter avec lui, je vais lui demander combien de pénalties a-t-il à ça, il aura certainement l'occasion de nous le dire, mais c'est un bon président, il est tout près de l'équipe nationale et des autres disciplines.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait que nous vous avons proposé. Une image, hein, en tout cas, c'était lors de cette confrontation, hein, dans le cadre de ce championnat d'Afrique des Nations contre le Congo-Brazzaville, le derby du fleuve, hein, où la République démocratique du Congo, une fois de plus, hein, a eu raison du Congo-Brazzaville, surtout que ce pays nous avait éliminé pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 au Maroc. Belle vengeance, hein, donc que la République démocratique du Congo a eu à faire sur son voisin, le Congo-Brazzaville. Vous avez suivi Eugène Kabongongoy qui nous a fait une révélation, la révélation en tout cas selon laquelle le chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, avait été surnommé Thomas Nkono en tout cas du nom, hein, d'un gardien de but camerounais, l'un en tout cas des plus grands en Afrique. Hein, et il a fait la fierté non seulement de son pays, le Cameroun, mais aussi de toute l'Afrique, pourquoi pas. Et Félix Tshisekedi, qui aime le sport, qui adore le sport, hein, et qui a donné des instructions fermes aux différents services, hein, de l'État, notamment au ministère du sport, qui relaye ces instructions à la Fédération Congolaise de Football Association, s'implique, hein, personnellement en tout cas, afin que les athlètes qui participent à ce CHAN-là puissent être dans des meilleures conditions, pouvant leur permettre en tout cas de défendre, hein, valablement les couleurs nationales, le drapeau de la République démocratique du Congo. Donc voilà ce que nous pouvons dire, hein, par rapport à cette révélation, hein, que nous a Caillou à nous faire. Hein, Eugène Kabongongoy, ancien international congolais, aujourd'hui il est toujours dans le milieu sportif, hein, puisqu'il fait partie des dirigeants de la Ligue nationale de football de Kinshasa, hein, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Justement, ce championnat qui a donné en tout cas, hein, la majorité des joueurs, hein, qui participent à ce championnat d'Afrique des Nations, à part un seul joueur qui vient du championnat inférieur, hein, mais c'est toujours vraiment de la Ligue 2, on va dire. Hein. Il s'agit bien de Nathan Mabouki, sociétaire du club de MK, cher à Max Moké. Hein, et ce club MK qui se fait aussi parler de lui, puisque c'est justement au travers ce club qu'un joueur tel que Silas Wamangituka est passé, hein, lui qui fait en tout cas le beau jour, hein, de Stuttgart en Bundesliga. Je rappelle que ce joueur a inscrit déjà 9 buts en Bundesliga, hein, et il est temps en tout cas que notre fédération puisse l'approcher afin de le faire venir en équipe nationale, pourquoi pas. Il n'est pas encore international jusque là, nous espérons que nous n'allons pas le perdre comme ce dernier a vécu ici à Kinshasa. Il est parti quand même assez jeune, c'est vrai, mais il connaît bien le pays, il connaît bien la capitale Kinshasa où il a grandi. J'ose croire qu'il n'aura pas de difficultés, en tout cas, à accepter, à répondre, hein, à l'invitation de son pays. Voilà ce que nous avons voulu, en tout cas, vous proposer, hein, par rapport à cette révélation de Eugène Kabongongoy. Hein. On savait, Félix Antoine Tshisekedi aimait le football. Hein. Maintenant, là, on en a la confirmation que Félix Tshisekedi jouait plutôt au poste de goalkeeper, gardien de but. Donc, si Matampi, hein, fait des fiers, comme on dit ici, attention, Félix Tshisekedi peut remplacer et défendre valablement, hein, les couleurs du pays. Après tout, hein, c'est le premier sportif congolais. Merci à vous qui nous avez suivis. Hein. Nous espérons que ce sujet vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi, hein, nous faire des révélations si vous en avez, ou tout simplement partager votre point de vue avec nous en nous laissant un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Hein. N'oubliez pas, une fois que vous serez abonné, d'activer la notification. Hein. Juste un clic sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Cette cloche, hein, va vous permettre, bien entendu, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Le prochain rendez-vous pour la République démocratique du Congo dans ce championnat d'Afrique des Nations, c'est déjà ce jeudi 21 janvier 2021, la République démocratique du Congo sera aux prises à la Libye qui a eu à faire jeu égal, hein, lors de sa première sortie avec le Niger, 0 but partout. Et la République démocratique du Congo qui est premier, hein, dans ce groupe avec 3 points aura l'occasion de se qualifier peut-être, hein, ou du moins en tout cas de franchir un palier et d'être déjà en bonne direction pour se qualifier ainsi, hein, et seulement si nous faisons un bon résultat contre la Libye.
Namibie. Hein. Je rappelle que ce sera une rencontre des deux pays qui ont déjà eu à remporter chacun cette compétition. Merci une fois de plus à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes. Hein. On sait que votre temps est tellement précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.